Voilà. 7h, j'ai même pas regardé l'heure depuis un petit bout de temps là, mais c'est 8h35. 7h15, il est entre 7h30 et 8h. C'est encore 1h15 pour arriver au Noriba. Bon, elle est pas loin, elle est à 10 minutes quoi, on va dire, 10, un quart d'heure. Temps de prendre un sandwich peut-être, ça va puer de la gueule dans le. En train de penser à qui vous savez. Ah, lui aussi. Et bah, je fais un peu le ménage tout seul. Forcément, à chaque fois, il me remettait des sacs à la clinche de la porte. Par contre, je suis chargé, j'ai mal au dos, mais j'ai repris un cachet là. J'ai cadeaux qui. En fait, c'est ça. C'est ça qui. Si vous n'avez pas la possibilité de vous assurer d'embarquer les cadeaux, il va falloir les prendre à la main. Un sachet dans chaque poignée de valise. C'est un moyen de les scotcher à la limite. C'est un cadeau qui va être long. Mais après, une fois que j'aurai donné tous les cadeaux que j'ai en. Enfin, les cadeaux, c'est des paquets de bonbons, quoi. Déjà Nagoya 3, mais alors demain ça va être dur, c'est demain. Puis comme j'ai rangé, alors. C'est le dilemme de tous les voyageurs. Mais bon, ces bagages-là, ils auraient pu être plus longs. Bon, la salle de bain, j'y vais pas assez. Mais monsieur, mais vous voulez pas qu'on fasse le ménage? Non, non, pas de soucis, mais comment il fait? Ouais, en fait, il manque juste un truc dans les toilettes pour que ce soit possible de le faire tout seul comme il faut. Mais j'ai quand même fait tout seul comme il faut. Voilà, ça c'est la gare Hiroshima, le panneau là-bas, Shinkansen. Alors dire que le premier jour j'étais passé là et tout, mais il est où cette toilette? En fait, il y a un truc là qui fait. Qui muche l'hôtel. Sans trop le mucher non plus, sans le cacher. Bon, allez. Voilà, j'ai 1 heure d'avance, environ 55 minutes quoi. Mais je préfère. Je suis sorti, j'ai peut-être pas assez aéré la chambre. Mais la femme de ménage, je vais le faire, je vais mâcher le travail. Ça va être sympa pour elle, je lui dis au jeune garçon qui est là en poste depuis hier, parce qu'il se. On dirait qu'ils se remplacent les uns les autres, je sais pas combien ils sont. J'avais mis tous les sacs, en gros, toutes les affaires du Lily dans des sacs. Parce qu'à chaque matin, ils me balançaient un sac sur la clinche de la porte, alors ça commençait à faire beaucoup. Et moi, je suis vite débordé avec ces trucs-là. Déjà que mes affaires, en fait. Et je lui ai dit que je les avais posées le long du mur. Ah, il a compris et tout. Bon, faut juste un peu aérer. La salle de bain, de toute façon, ça s'aère tout seul. Il y a un puissant. Même comme ça, ils doivent nettoyer un peu. Bon, bref. Peut-être ils n'ont pas osé rentrer. Ce qui est marrant, c'est que j'avais mis le sac poubelle sur la clinche aussi le premier jour et je suis sorti. Il y avait un sac de l'autre côté sur l'autre partie de la porte sur la clinche. Bref, avec les fringues. Oh là là. Les habits. Ouais, j'aurais bien demandé au bus là, vu qu'il est 35, mais je sais pas où il va, donc je préfère pas. Je préfère attendre mon bus attitré parce que des fois il y a 10 destinations. D'ici est-ce que je me serais retrouvé je ne sais où. Ouais là, hier la nana elle a été cache à l'eau. C'est peut-être ça. Cache à la caisse. J'ai halluciné. Bref. Bon, je suis acheté quelques sandwichs le matin, je fais ça. Sinon, forcément, on tient pas ici. Parce qu'on est toujours en train de bouger. Je fais un gros repas encore hier soir. Par contre, le midi, ouais, bon, bah, je mange des sandwichs, je tiens. Le midi, je reprends un sandwich ou pas.
C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais comme je suis, j'ai pas encore mes endroits familiers dans ma tête, enfin bien pour le midi par rapport à ce que je fais. Peut-être à Tokyo, je mangerai midi bien comme il faut et le soir aussi. Enfin, moyennement, et beaucoup le soir, me régaler avec des trucs que je connais pas ou quoi. Moi, je dis pas que j'ai tout aimé, hein, bon, c'est ce que... Par contre, sushi, j'ai vu peut-être un restaurant, faut vraiment chercher ici, ou... parce qu'il y en a plein à Tokyo, hein, c'est... Je sais pas. Bon, je vais manger un truc là, quelle idée de faire tant de cadeaux, d'acheter des trucs que je n'aurais pas acheté. Enfin bon. Oh, le bus, il y en a jusqu'à 12h30, un peu moins de 4 heures. Ça va être chaud, mais la ville, elle est... enfin, le point de chute, il est pas loin par rapport à la gare. Revenir, je vais calculer ça, si on va prendre soit le bus, là, le rouge, là, comme un écobus ou un éco comme le chat, ou alors un taxi qui va me coûter peut-être entre 1000 et 2000 yens pour l'aller, je sais pas. Moi je dis au Japon, j'ai dû déjà le faire, hein. On est souvent au taquet. D'ailleurs, le mec que j'ai croisé avec la guitare dans le cul, il devait sûrement venir de ce coin-là. Moi je suis vulgaire encore. Mais... Alors, je suis à la gare. Sur le plan, il y a des bulles. Mais c'est plus le même prix pour l'essence, même. Ouais. Non, ouais, il y a des choses à faire, hein. Il y a des trucs. Hein. Il y a de quoi. Hein. On peut revenir. Ce fichu le kleptomane que je serais allé voir là, à une station de métro de même pas de la gare. Bon bah non, prochaine fois. Quand on en sera à la Nintendo XXZ32. Non mais là j'ai trop là, j'ai des t-shirts pour Noah, j'ai des t-shirts achetés à Miyajima, des baguettes. Des senso, deux senso. Ça va être bien quand j'ai libéré la place, enlever les mini-chocos de la. Non, ça me perturbe pas, ça me prend pas mes pensées, mais bon. C'est mon dos. Ça ira mieux dans deux jours déjà aussi. Ça ne m'obsède pas. Non, mais je sais pas, j'ai pas enregistré. Bon alors à chaque fois que j'enregistre tristesse, je ferai mieux d'enregistrage 24, mais tous les gens qui passent et puis qui commencent à commenter ou quoi, je sais pas ce qu'ils ont. Là y'a personne, hein. Ils sont calmes et tout. Comme une forme de. Bon c'est gentil de dire à des gens attention. Mais c'est comme une forme de harcèlement H24, bientôt ils vont. Bientôt ils vont. Décortiquer tout mon arbre généalogique, compte en banque, ou les photos de quand j'étais petit que j'avais un an. Ou... Wow. Ouais, je suis sûr que Alain, t'aimerais venir ici. Il y a tant de gens qui t'aiment. Pardon, ça c'est. De temps en temps, comme ça, j'ai des relents de blagues pourrites. Bon, je vais finir mon sandwich là. C'est con, le sac que j'avais sur le dos m'empêchait d'avoir froid, mais il est quand même trop lourd. Putain, ça me rappelle un voyage. Mais j'ai regardé la vidéo, ça doit être. Je sais plus, il y a 8-10 ans peut-être, cette vidéo là. Et quand il m'arrive le truc, je me souviens que je l'ai vu dans une vidéo. Je fais merde, ça me dit quelque chose. Bon, allez, opération bus. Alors, l'escorte arrive en fanfare, il y a un mec qui est arrivé, s'est garé, il est sorti en courant, jusque là-bas, la main sur la poche, le deuxième est sorti tranquillou,
La voiture est arrivée en... Toute sonnerie hurlante. Bah voilà, comme ça en fait. Bon. Je vais me rapprocher quand même du Ouiriba là-bas. Peut-être qu'il y aura le vent qui va être coupé par le bâtiment, mais j'en suis pratiquement sûr. Allez, retour. Ah non, il s'est trompé. On attend le deuxième appel. Ouais, je sais, c'est pas rigolo. Ouais, ça doit être important s'il court comme ça. Mais bon, généralement, il s'affole aussi pour rien. Enfin, vaut mieux y aller pour montrer qu'on est là, quoi. Bon, moi, je vais mettre là-bas. Je poserai mon sac, tant pis, sur le sol. Mais ici, c'est tellement propre. On dirait de la moquette, sérieux. Il y a très peu de chewing-gum par terre, très peu de saleté, pas de crachat. Donc... Hallucinant. Bon, bah comment déstresser, enfin je suis pas stressé, mais comment se rassurer en deux secondes. Matsue Eki, 8h35. Voilà, il y a tout le panneau en fait, c'est pas... Quand elle m'a dit Basu Ouiriba 3, j'étais dans le truc là-bas. J'ai eu un petit sourire, elle était morte de rire aussi. Chrome. Putain, mais le panneau, il a la maladie de Chrome. Merde. Monsieur, s'il te plaît, tu vendrais pas la boîte de la Dreamcast? Matsue Shinjiku, alors ça je sais pas ce que c'est par contre. Mokuteki, cible. Non, il y a même pas là. Ah non, c'est sur le site internet ça. Oh putain, celui-là, l'autre jour je l'ai vu le 4e. En bas à droite là, mais. Ouais, non, je suis en train de bloquer. Je peux pas appuyer sur le truc. Non, c'est dans le. Non, bah, je suis sûr qu'il a fait ça aussi. Oh là, il y a un temps que se balader et tout dans le métro. Non, bon. Oh putain. Tu restes là, tu bouges pas. Ah ouais, non, ils ont embarqué là. Je sais pas ce qui se passe. M'approche pas. Non, je m'approche pas. Faut pas s'en mêler. Hein, Cyril. Putain, ouais, il y a des gens derrière, à l'arrière de la. Jésus, mesdames et messieurs, c'est un scoop. À la gare d'Hiroshima. Une arrestation. Peut-être le voir à la télé ce soir. Enfin, si j'arrive à la regarder sans. Ah ouais, non, il rigolait pas, le mec. Vas-y, avec le doigt. Vas-y, ne bouge pas, enculé. Bon. Bah, je m'attendais pas à des moments comme ça, mais ça arrive. Pas à la police, mais tas de moments arrivent fréquemment comme ça, ma petite personne. Bon. Là, je vais ranger l'appareil, là, parce que je commence à avoir froid, et la deuxième main, les... ça aussi, je suis sûr, elle l'a fait. Ouais. Bah, je rigole des fois, faut pas croire que je suis complètement névrosé, mais. Je suis en train de me remettre en forme là. On se croirait dans les Alpes de Haute-Provence, la montagne là-bas, juste derrière les bâtiments. Imagine si c'était des bâtiments comme ça. Marseille, ouais, un Toyokoin. Ah, il y en a un Toyokoin là-bas. J'aurais pu aller là-bas en fait. C'est une branche qui est installée à Marseille. Il y a un hôtel en France. C'est à Marseille, Toyokoin. Et je vais à un Toyokoin à Okayama ce soir. Alors de Matsue à Okayama, il y a le train, j'ai un terrain réservé et tout. À calculer, claquer mes bagages dans le locker. Bon allez. Putain, je viens de tilter un truc. Des fois comme ça. Koso Basu.
En fait, c'est encore une histoire de caleçon de bain. Désolé, c'est chiant. Mais... Parce que Cosso d'Oro, c'est autoroute. Non, mais c'est pour les initiés, encore une fois. Cosso, caleçon, bus, caleçon. Non. Je sais, je suis un mec en or. Bon. Ah, le prochain, c'est le mien. Matsue Shinjiko, en fait, c'est Matsue Shinjiko Onsen. C'est le Onsen Shinjiko. J'ai toujours un problème avec les genre les noms. Je cherche toujours à traduire tellement je suis à fond dedans. En fait, c'est le nom Shinjiko. Lac Shinji, en fait. Ça doit être ouais, Mizu. Je suis pas réveillé. Ouais, ça doit être ça. Lac Shinji. Mais je peux passer devant tout à l'heure, c'était tellement évident, il y avait les candies de Hansen que c'est quand je l'ai vu écrit en français, enfin en lettres normales. Et là, il va à Shobara. D'accord. Chaud lapin, Shobara. Sancho et Pedro. Bon, ouais. Ah, vivement qu'il arrive là dans 5 minutes parce que je commence à avoir froid là. Mais c'est ma faute, je suis sorti une heure trop tôt. Mais vaut mieux ça que d'arriver 5 minutes. Et, ah, c'est où, mais c'est là, mais comment faire et tout, c'est lequel. Mais non, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi. Pour une fois qu'on a l'habitude, oh, c'est beau. C'est comme les tremblements de terre. Mais là, j'avoue qu'ici, il y en avait pas mal sur un point où ça bouge. C'était pas chiant, mais. Eux, ils sont habitués, ils font même pas attention. Bon, voyons voir ce que ça va donner dans le bus, 4 heures. J'étais à me reposer, hein. Ça me fera du bien de ne pas bouger pendant 4 heures. Ah ouais, du coup, Koso, Basu, c'est bus express entre le bus pourri qui dessert la ville, et notre dégaine que ce bus-là, qui est rapide en fait, voilà, express. Je crois qu'en plein, justement, un bus pas pourri, mais voilà. La différence entre celui-là et celui-là. Il est pas pourri, mais bon, c'est... Des places debout, tout ça. Et voilà, on est parti. Il m'a donné un truc en japonais, j'ai pas trop compris, puis après, il monte le ticket. J'avais pas regardé. Place 9A. Elle était déjà écrite sur le ticket. J'ai encore le cerveau un peu déconnecté, mais... Ah, il est parti pour 4 heures, il fait chaud, là. Je vais peut-être pouvoir filmer sur la route, même. J'ai même pas tilté, ça, que j'allais voir un voisin, peut-être. Petit arrêt donc à 10h du matin.
Kosoku au lieu de Koso. Kosoku Basu. C'est trompé encore. Je suis pas en forme, décidément. Ça, est-ce que ça le fait, ça le fait pas? Ah non, faut mettre les tutunes dans la poche. Attends. Hop, avant je crois que c'était pour récupérer qu'il fallait alors. Putain, mais j'avais une pièce de 500 dans les... Bon, je suis arrivé à midi. Voilà, ça descend bien. Je suis arrivé à midi, plutôt que prévu. Ah, putain de sa race. Oula, j'arrive... Non, pas d'insulte. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand les pièces sont engagées, tu peux te barrer et revenir pour en mettre d'autres. Mais quand? Faisons la tomber parce que j'arrive pas. J'ai mes mains pleines de brins. Ah ouais, la poubelle encore une fois. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez bien appuyé, il faut tourner à gauche. Numéro 106 comme à la voiture. Enfin l'ancienne. Bah voilà, la poubelle. Et là, les toilettes, on va faire un petit tour de minute. Là, je sais pas, j'ai longé le truc. Je tourne à droite. Le panneau, toilettes, lockers. Il y a un dieu pour les voyageurs. Là-bas, c'est cool pourri. Bah, je vais y aller dans 5 minutes. Pour acheter un billet. Plif, plaf, plouf. Et au-dessus de moi, c'est marqué machin et qui. Et là, la mannequin comme à Imeji, elles sont méga bonnes leurs gaufres. Bon, je vais le faire, allez. Hop. Faire mon gros touriste. Matsue Station. PlayStation. Non, c'est pas PlayStation. Voilà, donc il y avait le petit bus où j'arrivais. Quand on arrivait là, puis on faisait le tour comme le bus jaune, un peu. Il y avait le bus de pour Matsue. Oh, pardon. Combien ça reste? Et il y a des panneaux château 2 km. Donc le château est à côté de machin. Donc il suffit de prendre le bus, m'assurer. Donc direction toilette parce que j'en peux plus. J'arrêtais pas de ronquer, je m'entendais ronfler. Mec, ça va, le mec à côté il avait des oreilles de. Enfin un truc de Walkman. Mais les autres, ça devait peut-être les agacer un petit peu. Alors toilette, billet. Bus, attention, top départ, la chasse au trésor, on attend la télé et l'hélicoptère, non c'est satellite aujourd'hui, midi 6, bon. Bon voilà, 17h45, et en plus ça ressemblait à un Greg le geek. Ça avait le même visage, le même Nico, juste les cheveux... En haut, coupé en deux, une longue voilà, au milieu, et puis sur le côté, les cheveux d'un côté, les cheveux d'autre. Encore la télé. C'est peut-être c'est des japonais. Ouais. Alors, direction le bus, je sais pas s'il y aura un départ ou quoi, mais je sais qu'on doit l'attendre là-bas. Mais il y a un panneau, de toute façon, on dira l'heure. Et ouais, du coup, Bon, récupération des machins. Alors 17h45, si je loupe, il y en a à 18h30, mais alors il est grisé. J'ai peut-être plutôt intérêt à l'avoir au bon moment. Ouais, je paye dans les 5000.
savez, de toute façon. Il est pas dans le JR. Matrus, c'est pas dans le JR. Passe par contre demain. Demain, je top le premier Shinkansen pour Nagoya. Je paierai pas jusque Kyoto. Et donc j'ai un extra à payer Kyoto jusque Nagoya. Alors ce sera sûrement double ticket dans la machine, un petit ticket en plus à passer les doubles tickets, les deux tickets. Et plif, plaf, plouf. Bon bref. Alors c'est là ou c'est là-bas? Là, plif, plaf, plouf. La ligne du la ligne du lac, mon vert, mes rouges, où il est, voilà, ils sont déjà en train de, là, je sais pas si vous avez entendu, ils sont déjà en train de commenter, c'est pas moi qui fais des idées, hein, j'ai enregistré, hein, c'est dans la bande, hein. Pourquoi pas comme chaud, c'est bizarre, hein. Bah, je peux y aller à pied, je m'en fous. Midi, j'ai 5 heures pour faire le tour, c'est largement assez, mais j'aimerais bien prendre mon temps là-bas aussi, quoi. Ouais, ça c'est Highway Bus, donc c'est celui qui m'a déposé, donc c'est bien là-bas que j'ai vu le machin. De toute façon, il n'y en a qu'un, c'est là. Quoi, laisse la voilà, à qui? Ah, midi 20. Je vais passer pour un lover avec ce qui s'est passé hier soir, j'ai halluciné. Je pensais à Rémi, à toi Rémi, avec ton frère quand vous étiez dans la discothèque. Bon. Ah ouais, c'est 13h. Oh, il faut que j'attende 40 minutes. Allez, je fais les deux bornes en... Je suis Sonic le Hérisson. Mort de rire, la nana qui m'a pris le... Je fais aujourd'hui je cours. Je suis comme Sonic le Hérisson. Elle a compris Sonic et Hérisson, elle doit bien pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Bon bref, ça y en sait rien un petit peu. Putain, puis j'ai sachet de poubelle là, il n'y a pas une poubelle. Bon allez, je vais regarder le plan. Il est dans ma poche. Dans la poche. Hop. Je cherche en même temps une poubelle là. Ouais, manger, ce sera un autre jour, voire une autre semaine. Ouais, là, le plan, plif, plaf, plouf, ouais. Allez. Mais par contre, ça le fait pas, les poubelles. Ouais, il y a plein de trucs, je pourrais prendre mon temps et tout, si j'avais la journée. Mais là, c'est... Opération Château et Koizumi... De toute façon, c'est, les trois sont à côté les uns des autres. Koizumi, le musée, la maison, Château. Château, il y a un peu plus... C'est... Putain, oh non, je me vulgaire. Ah ouais, mais c'est pour revenir, à la limite, je prends un taxi, parce que je vais pas attendre une heure pour avoir un putain un gentil bus. Bon, on va voir ça. Alors, la gare, elle est là. La carte, elle est comme ça, par rapport à la gare. Regarde le bord du bâtiment, je me repère comme ça. Des grosses artères, faut passer au-dessus de la rivière, je me souviens, au bout à gauche. Enfin, à droite, tourne à droite, plutôt. Puis, clac, là. Takeshima Kaere Shimato Umi. Ouais, d'accord. Bah ça, c'est con, j'aurais bien voulu les faire, ou bien il y avait un super temple que Kiyoshi m'avait montré, monstrueux, l'un des plus monstrueux du Japon. Il y avait un autre un peu plus loin aussi, mais bon, lui, dans sa tête, il y a l'idée de la voiture, quoi. Même si elle est pourrie. Ah, Pac-Man. Pac à l'attaque. Pac-Man, on se demande qui est-ce Pac-Man, avec qui sont les fantômes. Yuri. Attends, c'est quoi ça? C'est Yomichi. Ouais. Le soir, quand tu rentres, il y a plein de fantômes autour de toi. Les esprits des fantômes dans la nuit. Ouh. Mais Pac-Man n'en a pas peur. Et il mange sa Kogumi. Ouais, je sais. Bon, c'est entre... C'est pour la famille. Allez, c'est parti. Et je me balade avec mes poubelles, venez avec nous dans nos aventures. Bon là, il y a 30 minutes, il y a 2 km 4 depuis la station et tu... Bref, voilà. Bah c'est pas compliqué, hein. Je longe, je tourne à droite, je passe la rivière. De toute façon, après le repère, c'est la rivière. Je peux pas me tromper.
Et si je me trompe, je prends un taxi, parce que attendre 40 minutes après le bus, non, puis ça fait en fait voir de la ville à pied, quoi. Ça va me faire du bien de me dégourdir. Moi, je vais pas ronfler dans le... Oh merde. Ah, puis si je me trompe, je prends un taxi. C'est pas bien grave. Il y avait, c'était un bus vert, et dans la pub, j'ai vu bus rouge. Mais bon, c'est un bus toutes les heures. Je vais pas attendre toute la journée après le bus. Ah, j'ai... Je suis mort de rire parce qu'il y a les Takashimaya à Tokyo. Et il y a Mishimaya aussi, ici. Un Maya. Bon, bref. Alors... Ouais, c'est par là, quoi. Allez. Ah, elle me plaît, les shops, là-bas. En espèce de terre cuite, mais c'est... J'ai vu le même truc à Hiroshima, dans le dos des gens, en photo. Bon, je sais, c'est pas... Et ça donne ça, le Japon. Des endroits comme ça. Ah, il est vraiment typique, quoi. De toute façon, je sais que c'est là, plif, plaf, plouf. Alors, sur le plan, la guerre, elle est là. Enfin, un autre plan encore, j'en ai trois au moins sur moi, dans toutes les coutures. Je sais qu'il faut passer la rivière. Donc, si tu trouves la rivière après, il y a le pont, puis après, tu remontes, plif, la plouf. Puis, de toute façon, tu demandes à tout le monde, wesh, monsieur, c'est où le château? Et où est le château? Hop. Bon, ça, des trucs comme ça, il y en a plein à Tokyo. Mais j'avoue, ici, c'est assez typique, là. Hein. Enfin, je me sens revivre, je sais pas. Midi 29. Ah bah tiens. Bon, d'accord, ouais, midi 29. J'ai pas intérêt à louper mon train. Sans le pichon aussi dedans. Ah là, franchement, là, les décors comme ça, là, je... Oh. Tu peux pas tester. Bien ici, je crois que je vais rester. Non, je rigole, il faut que j'aille au col de Longueur. Je me sens allégé sans mon sac à dos. J'ai que mon appareil photo, vidéo, la caméra avec moi et le sachet de poubelle. Bon, ah, un petit temple. Tout est la poubelle pour aller danser ce soir. Et ben, ça va pas louper. Je ne me sens plus. Je veux aller voir ce temple que je ne serais jamais allé si je ne m'étais pas perdu. Ouais. On chante pas dans le temple, monsieur. Bon, la rivière, elle est là-bas. C'est un des... Bon, ça doit être... Arrête! Ça doit être celui-là. Celui-là. Higashi Onmachi. De toute façon, il y aura sûrement des panneaux en haut du truc qui va me... Qui vont me montrer genre Higashi Onmachi. Après, ça sera deux ponts. Donc le troisième pont, je tourne à droite, je remonte, je prends sur la gauche. Et tout le monde, s'il te plaît, c'est où la maison de Koizumi? Wesh, wesh, c'est qui lui? D'accord. Bon, je... ça le fait pas de filmer trop comme ça. Comme ça, mais bon, du moins que je me tais peut-être. Tu te mets en retard, Manu. Oui, madame, je sais. C'est pour moi, c'est eux qui ont joué avec les crétins. J'ai l'impression qu'il n'y a pas en France. L'autre, là-bas, le poissonnier, je passe pour nous stocker les amitiés, je sais pas quoi. Mais c'est, je sais pas, c'est des gens qui sont dans des histoires. Moi, je vis ma vie. Hop. Allez, direction le pont.
Rose et rose, il n'y a plus d'espoir. Et tenu. Ah, puis sachez, en chou. Bon, je vais couper, ranger ça. Et je rouvrirai sûrement dans 5 minutes. Ouais, bon, alors là, j'ai passé le deuxième pont et quand même pas moins de continuer sur la berge. J'ai tourné à droite. Ah ben, il y a une photo de Koizumi. Je sais pas si vous voyez, moi je le vois. Et j'ai halluciné. Apparemment, il avait un œil poché et toujours des photos sur le côté pour pas le montrer. Vous avez toujours pas vu la photo ? Ah, des moments comme ça, je m'arrête d'un seul coup, plif, plaf, plouf. Voilà. Donc l'œil gauche... Mais je sais pas, je suis persuadé d'avoir vu sur des photos où il n'avait pas l'œil comme ça qu'il y a eu. Bon, je vais pas prendre l'avenue, allez. Il n'y avait pas eu un... Qu'il y a eu un petit travail de fait pour faire croire que c'est... Je sais pas, mais c'est cette forme-là, ça me parle, sur le tissu. C'était resté une nuit ou deux, enfin plutôt deux nuits, parce qu'une nuit, avec une nuit, tu peux rien faire, quoi. T'arrives, tu claques tes affaires, tu repères un peu, le lendemain tu fais un truc, tu dois déjà repartir dans la foulée. Dans la journée tu penses à l'heure à laquelle tu prends tes bagages, non. Faux. Ouais, là Hiroshima c'était bien. Bon, par contre si j'étais resté une nuit ou deux de plus, à mon avis j'étais marié, quoi. Il a l'air d'être bien ce garçon. Ouais. La vaisselle, fait son repassage. Ah non, il fait plus repassage dans le sud. Puis j'ai plus que des t-shirts, il fait tout en chaud à part décembre, janvier. Ah, mais il mange comme un ogre le touriste là. Pourquoi il commande tous ses plats? C'est un. Ah, ça sent. Ça sent les unagi. C'est un critique gastronomique. Non. Just by pleasure. Ah, moi, ça m'a toujours stupéfié, le travail des ouvriers. Il y a des artisans en France qui seraient contents. Bizarrement... C'est pénible, mais ça paye ce travail-là. Ah, c'est le bonheur. Il y a un baby. 9800 de baby. Ouais, c'était maquette, quoi, mais... Bon, bref, je vais pas trop m'attarder, parce que si mec... Ah, des petits magasins comme ça, dans les années 2000, il y en avait Tamiya, forcément. Il y en avait... pas la blinde, quoi, mais presque, quoi. Aujourd'hui, c'est plus dur à tenir. Faut avoir la clientèle. Ce que je faisais en premier voyage, c'est prendre une route, puis revenir à peu près, mais pas par la même route, un peu différent. Ça me permettait d'apprécier le coin. Voilà, je peux marcher, j'ai pas de truc sur le dos et tout. Comptez pas intérêt à louper le temps. Voilà, c'est ça le truc, je vous disais tout à l'heure. Tu penses à ton bagage au soir. Tu penses à ta poubelle qui est dans ta main. Mais je crois que cette poubelle à Hiroshima, tout le monde l'a faite. Je la vois, le mec. À chaque fois, le mec, il bourre pour le cul d'un... Avec... Non, mais j'avais pas de guitare à ce moment-là, alors...
C'est quoi cette histoire de guitare et de pâte à modeler? Non, mais c'est pas ça. Voilà. C'est comme les caleçons de bain. Bon, l'écran, il doit bouger à mort, mais c'est pas grave. J'ai vu plein de streams ou plein de vidéos sur le Japon. Les gens, ils se bondissaient dans tous les sens. Alors, Kashima. Oh, cool. Oh, ça, c'est beau. Boat 9. Ah non, c'est pas Goldorak, ici. Shimane Brand. Ah ouais, la viande de... Voilà, préfecture office. Bon, regardez mon petit plan, là, parce que... Mais tu te surpasses, Manu, regarde. Tu sais lire. Ah non, mais c'est normal, c'est en lettres. Ah, ça, on a aussi. Pour éviter la surconsommation de... d'eau. Eh ben voilà. Oh, 400 mètres. Pourquoi je cours? À gauche du panneau bleu. Matsue Castle, c'est même pas écrit en japonais. Enfin, si, au-dessus. Matsue Joe. Est-ce que je fais le château et après je pleure dans la maison de Koizumi? Grosse larme. Et n'empêche, lui, il était déjà bien puissant, mais bon, c'est un franc. C'est un européen. Non, ouais, gréco-irlandais. Putain, je suis comme mec. Oh. Ah, boah, ça pue. Et. Mais alors, Natsume Soseki, lui, il a. Enfin. Lui, il a un niveau. Enfin, forcément, c'est un japonais, mais. Je commençais à lire Le chat, Je suis un chat, une page sur Amazon pour voir. Je dis, oh, je veux absolument lire en jap. Bon, ce sera pour un peu plus tard. Bon, Koizumi, ça va. Si vous êtes niveau 3, il y a moyen de se débrouiller. Mais il n'y a pas de transition avec Natsume Soseki. C'est niveau 1. Quoi. C'est niveau 1 avec un petit peu parsemé de niveau 2 et un chouïa de 3, mais alors niveau 1, quoi. Ah, y a pas à chercher Mehdi à 14h, il est là le château. Ah, comment je suis en train de triper. Bon, ça va, les gens ne cassent pas les couilles ici pour la caméra. On a l'air d'être plus sympa que dans les autres endroits. C'est bizarre, mais plus ça va, moins ils sont sauvages. Osaka, c'était la baston entre les Chinois et les Japonais, j'ai l'impression. Ou bah, entre plusieurs clans, ça. Ou alors c'est parce que c'est une ville jeune. Après, Hiroshima, bon, quand tu bats avec une caméra, avec pas un sourire, mais les gens ils voient que t'es content, ils se disent, oh putain, saleté d'Américain, mais non. Puis après, quand ils ont entendu parler en français, genre, ils commencent à réfléchir, mais non, en fait, c'est autre chose, mais c'est quoi? Bon, bref. Alors... Ah ouais, mais non. Alors donc, la maison, elle est à droite du château, faire tout le tour, il y a les douves. Je crois qu'on pourrait même faire une balade en barque. Tutut. Il y avait des oiseaux en France, ils avaient le même piou-piou. Enfin, c'est pas celui-là, c'est le piou-piou qui avait... Ah bah si, ça. Piou. Bah c'est des oiseaux, ça, mais j'ai vu qu'une fois au retour d'un voyage. J'ai halluciné, je fais, c'est quoi ça? Je les avais jamais vus avant. Il y a peut-être comme les pigeons, il y a un lâcher d'oiseaux. Je pense à Jean-Marie Bigard. Non, j'ai plus. Allez, du moins. Bon. Ah ouais, c'est... J'attends, c'est la réaction de la sœur de la prof à l'hôtel. Bon, j'espère qu'elle va m'accepter. J'avais une petite rayure à cause de d'une roulette de mes bagages dans la chambre quand je suis parti. Mais ça s'efface apparemment. Alors je sais pas, j'ai un peu peur. Alors, gros titre, va-t-elle m'accepter pour dormir 3 nuits? C'est 2 nuits ou 3 nuits, je sais plus. Ça ne pas coup. Nihaku.
Et une nuit, c'est... Mais alors, c'est marrant, parce que je me semblais que c'était pas ça, là... C'était pas comme ça qu'on disait. C'était ban. Ouais, on pourrait y aller une autre façon, mais... Ban quelque chose. C'est peut-être l'ancienne façon. Des fois, ça change, mais... D'un seul coup, on sait pas pourquoi, on dit différemment. Alors, je commence à avoir un petit peu d'âge. Hein. Bon, le château de... Hiroshima, ça le fait. Hein. Ça se, bon, c'est pas le plus gros château qui existait ou quoi, ou qu'est-ce, ou ça se visite. Forcément, mon préféré pour l'instant, c'est Himeji. Voilà, quand on voit la façon dont le truc il est présenté là, les grands murs, c'est sûr, ils devraient pas être beaucoup embêtés. Eux. Bon, je vais d'abord faire Koizumi parce que je le sens pas. Et ça qu'on dit tout le temps, je bute quand je vois la manie pour mettre le paquet et gagner plein de pognon. Alors, bon, alors on en est où? Hop, hop, on a, il y a un pont là-bas. Alors, musée d'histoire de Matsue, non? Et en fait, il y a Mémorial Lafcadio Hearn, c'est en haut à gauche. Ah, j'ai oublié la première fois, je crois que c'était à droite. Alors, l'entrée du château, eh ben là. Ah ouais, mais alors, en plus on tournait en barque autour, mais c'est peut-être pas la saison. Il y avait de la neige sur le... Enfin, quand je dormais pas. Ah, c'est clair, j'ai pas trop vu le temps passer, parce que c'était explosé. Et... Alors... Ah non, c'est faire tout le tour, bah au moins. Bah non, parce que j'avais remarqué à droite, là, ouais, je sais, je fais pas des phrases, je suis trop excité. Qu'il y avait plein de magasins ou des rues commerçantes là à faire, bah au moins je peux repérer en passant, puis parce que d'habitude... Je fais le tour de l'autre côté, plif plaf plouf, et je reviens à l'autre, mais là je vais quand même repérer puis repasser au même endroit. Non ouais, ça doit être là, une entrée là. Donc j'avais repéré que c'était au-dessus, ou alors l'entrée est au-dessus et ça c'est la sortie. Bon, de toute façon. Et donc ouais, Bouquet Yashiki. Ah, de toute façon, je peux pas me tromper. Voilà, se donner des repères. Celui-là, le château, il est bien grand, on le voit de loin, tandis que c'est un peu plus dur à Hiroshima. Alors, Himeji, c'est même pas la peine. C'est Dallas. Tu sors de la gare, l'avenue, elle est large, immense, puis au fond, t'as le château, c'est royal. C'est trop beau. Bon. Tchup, 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 tchup. C'est quoi Kunkaku? Oh putain, pardon, désolé, c'est encore... Oh, j'ai encore dit un gros mot. C'est Kunkakuji. Non, c'est parce que Kunkakuji à Kyoto, c'est le temple d'or. Et là, le Kunkaku... C'est un chemin apparemment, un truc du genre, je sais plus... avec tonnerre ou nuage. Bref. Peut-être un chemin qui permet de s'élever spirituellement. Non, je sais pas, je dis des conneries, j'essaye. D'habitude, je trouve, quand je suis sûr de moi, là, je suis trop. Ah oui, de quoi visiter le château, là. Pipou, pipou. Enfin, sur le plan, il semblait que ce coin-là, c'était plein de petites rues enchevêtrées. Puis j'avais regardé une vidéo courte qui montrait la rue, ou une photo de qui montrait la rue de la maison de Koizumi. D'ailleurs, ouais, tiens. Avenue Large, c'est un peu dans le style de Himeji, mais Himeji c'est beaucoup plus épuré, un style, mais il y a du monde hein, en bagnole. Shimane, ouais, je sais ce que c'est moi Shimane, c'est vélo Shimano. Non, je rigole. Et ben, voilà les fameuses barques. Faire décapiter. Ah, j'ai gueule. Far away. Ah, je peux pas mettre de musique, il faut payer. Je pense pas que monétiserai si un jour j'ai 100 vues parce que c'est long, faut
faut s'en occuper, il faut mettre le compte bancaire, non je sais pas. Oh là 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 là. Bon, je filme un peu beaucoup quand même. Alors, je vais couper et puis reprendre dans un quart d'heure. Eh oui, messieurs, dames, un musée de l'Afkadourne, 550 mètres par là. On savait que c'était par là, mais bon. Oh mon prestigieux. Le maître. La résidence du maître. Alors. Eh ben non, j'étais tout à l'heure là-bas, il y a 500 mètres, un quart d'heure, non? J'ai menti. Non, bon, bref. Ah ouais, non, là. Ouais, je me lâche aujourd'hui. Je suis content, j'ai dormi. C'est l'inverse. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oh là, c'est la... Alors en fait, ces ponts sont construits en courbe. Vous voyez peut-être pas. C'est construit en courbe pour augmenter la capacité de résistance du pont. Bon, j'ai tombé sur une page comme ça. Et c'est vrai que ça résiste vachement mieux au temps, à tout. Peut-être pour les... Ah, je suis con, il y a un pont là-bas. Pour les tremblements de terre, les grosses... plein d'eau. Ah non, ouais, c'est la rue comme ça. J'avais vu sur la... Ouais, voilà. Ah ouais. Je l'avais vu sur une photo. Ça paye pas de mine. C'est une petite rue toute tranquille chez l'Afkadio. Enfin, l'Afkadio Earn ou Koizumi Yakumo. Lave de la lave Kadio. Chevalier de Zodiac, là. Cheval, il habite dans une montagne ou un volcan où il y a de la lave. Oh là, je viens de tuer un truc. Ah, les arbres là et tout. Franchement, j'avais jamais vu des arbres comme ça, avec les branches qui descendent comme des. Comme une aile d'oiseau qui se déplie. Ah, je sais, je suis un peu dans une humeur poétique aujourd'hui. C'est parce que les larmes aux yeux, c'est pas encore le même type de larmes que l'autre jour. Là, quand on ressort du musée, je crois qu'on me l'a dit il y a longtemps, à Hiroshima, on a passé une épreuve, on est transformé. Hein, parce que âme sensible, s'abstenir, je vous le dis, faut quoi. En même temps, c'est bien de tout filmer quand même, enfin tout filmer, de filmer beaucoup. Les gens ils disent, oh j'ai tout vu, mais non, c'est un chemin que j'ai pris. Vous savez, comme quand on joue avec le pistolet au jeu de tir sur la console, les jeux il y a longtemps. Et mon prof il faisait comme ça en épreuve. Choisis un truc, bon, une branche, ok, je prends la branche, il suit la branche, tu sais que ça défile et tout. Et puis au lieu que ça déboule en bas de là où je pensais, non, ça va totalement à gauche, puis ça revient, puis pouf, ça tombe sur à côté. Comme les jeux de pachinko, en fait, un peu. Et ces épreuves, pour pas... C'est une forme de hasard, quoi. Pour tomber sur un sujet au hasard. Je le salue aussi, Shinya. Quelqu'un de bien. Il nous a appris les kanji en deuxième année. Là, la prof de Candy, c'est la prof de Candy de première année. Et du coup, je marche moins vite parce que je suis moins... Comme je pense que j'ai un peu plus le temps. Par contre, si j'ai envie de pécho un taxi, là... Ouais, ça ira pour le retour. Je vais regarder combien de temps je mets comme ça en marchant vite et pas vite. Au pire, je reprends la même route, même si ça m'embête. Sûr qu'il faut une allure entre 30 et 40 minutes. Ouais, 5 heures dernière limite, mais je me connais, je vais rentrer à 4 heures. À 4 heures, mon truc, je vais le faire sonner ou. Comme je disais donc, on prend un chemin. Mais c'est pas parce qu'on a pris un chemin qu'on a tout vu. On l'a pas vu sous le même angle que tout le monde. C'est certain, il y a beaucoup de.
corrélation entre le chemin de certaines personnes et d'autres. Ouais, voilà, genre de plan Genzaichi, position actuelle. Voilà. Eh ben, Koizumo, Umi, de Makumo, que je viens de passer devant. Eh oui, messieurs, dames, je suis passé devant sans le voir. Et voilà. Coco, Zozo, Mimi, où es-tu? Bah ouais. Kinen, Kan, Mae. Bah voilà. Toi, tu le fais exprès, Manu. Alors, ah oui, alors bah voilà. Muriel Museum. 300 mètres. Et là, c'est Kinen, Kan. Ah non, si c'est Kinen Kan, ouais, si c'est là. Bah alors non. Qu'est-ce qu'il... ce plan. Ouais, si, c'est encore 300 mètres plus loin. Faut... Ah, il y a un bassou Riba, là. Ah non, c'est parce qu'il y a le... Non, ça c'est le lac. Ah non, mais les plans ici, franchement, c'est peut-être plus loin, mais je tablerai à gauche, mais là, c'est à droite. Oh. Et sur mon plan, c'est en haut à gauche. Bon, ça, c'est mémorial. La maison, peut-être de l'autre côté, et puis ils vont me dire, on va toujours... Ah, ça, c'est la ville au Douvres du Nord. En fait, c'est le truc là... Ouais, j'ai quand même avoir 2 minutes là-bas, mais je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, non, mais ça tombe. Non, bah voilà. Tsugi, Wako, Izumi, Yakumo, Kinen. Non, c'est pas là, il y a la flèche. Ça a relevé les yeux au Japon. Par 300 mètres, il demandait aux gens. Ouais, donc, bah, former résidence. Kyu. C'est Kyu, un truc comme ça. Là c'est vraiment de vacances, mais bon, forcément j'ai besoin de la langue. Et le truc il est à côté, juste à côté. Le... Par contre j'aurais bientôt plus de batterie, faut que j'utilise la deuxième. Quelle heure il est? Je me lâche, j'aurais bien... Il y a des moments où je vais dans les quartiers là. Oh, 13h10, je peux y aller. Malgré le fait que je sois impatient, moi je vais aller jusqu'au bout de la rue là. C'est typique là, c'est... Le genre de mur, ça fait penser aux résidences de samouraï, qui ça doit être dans le style. Comme je voyais à la télé là, je sais plus où. Ça doit être ça. Est-ce que madame, monsieur, je peux traverser? Impatient d'aller voir ce musée, mais le trip de découverte. Ce musée, cette maison, c'est Kyu. Nous sommes au Japon. Alors, mon petit Lafcadio, tu as laissé un message sur la pierre? La pierre, il n'y en a pas de... Non, c'est pas ici. Oh là là là. Tu te balades. Combien de fois j'ai fait des balades dans des quartiers comme ça, mais... Ah, c'est sûr, ça change des gros buildings... Ouais, tu vas à l'école. Wesh, aller voir l'école, là. Sort du quartier. Bon, bah.
Et je me balade avec mes poubelles. Ça fait vraiment clochard qui se balade avec ses poubelles, quoi. Puis, nous avons un youtubeur chinois, peut-être. S'il te plaît, mec, me prends pas en photo ni en vidéo. Reste la voix d'Internet, la voix du Nord. Et bah, du coup, je me mets de ce côté-là, parce que le musée... Je reconnais le quartier, c'est là-bas. Forcément, il va me suivre. Lâche-moi la grappe, Henri. C'est vraiment plus s'il ressemble. Et en plus, il a rigolé comme lui. Sors de ce corps, Henri! Tiens, moi aussi je te filme, regarde. Je te filme, moi aussi. Ça, c'est de la pierre de volcan. Une fois, j'ai essayé d'en mettre dans l'aquarium. Quelqu'un m'en avait filé. Putain, ça a foutu la merde. Moi, j'ai encore 19. Ce bruit de pelle. Ah voilà le bus. Et plutôt que d'attendre comme un couillon pendant une heure, 40 minutes. Oh, souviens-moi ça, je suis un... J'ai marché, j'ai découvert, à pied. Plif, plouf, plouf. J'essaie de rentrer là, ça doit être là, ça doit être le musée. Non, c'est la maison, ça. Le musée, il doit être à côté. C'est pas marqué clairement. Comme je voulais pas trop découvrir d'entrée, pour faire plouf. Là, tu l'as, le, ton Yakumo machin. Là. Yakumo quelque chose. Je vais à côté comme ça il va. Putain. Pas me suivre. Bon, je sais pas si on peut filmer, mais je prends pas en photo ni en vidéo. Oh, il y a des monstres.
Voici venu le temps de poisson d'or. Ah, c'est terrible. Yakumo, c'est pas Daki. Ça ressemble à Daki, mais c'est peut-être pas ça. Daki, ou alors c'est un truc avec plutôt étang ou. Ouais, je sais plus. J'ai déconnecté. Ah non. Ça, j'adore ces trucs de bambou comme ça. Il y avait des. Il y a 30 ans, il y avait des. Des trucs de Dragon Ball faits comme ça. Et... J'ai failli l'acheter. C'était pourri, mais j'aimais bien. On ne fume pas les gens. Par contre, ça peut-être pas un peu à l'étroit, mais. Oh, quoique, il y a quand même un peu de fond. C'est qu'ils sont tous les uns à côté des autres pour manger, là. Ils attendent à manger. Ah, bah là, pareil. La pierre. Ou là-bas. Pierre plate. Ouais, peut-être pas ceux-là. Oh, quoique. Ami youtubeur est parti de l'autre côté parce qu'on a vu le renseigner, donc vas-y, fais ton truc et laisse-moi tranquillement en visite. Si ça doit être Daki, fontaine, cascade, fontaine. C'est un Yakumo Soba en fait, c'est un restaurant de soba qui porte le nom de Yakumo. Mais Yakumo, je crois que c'est juste au-dessus, pas loin là. J'avais vu la photo, là, hop, la plouf. Elles sont au-dessus des murs et taillées comme des. Je sais pas comment ils font là. Ah non, c'est juste collé. Oh, mais c'est la même couleur que Papa Maman. Couleur guimauve. Guimauve ou alors couleur nougat. C'est les couleurs de ma cuisine. Bon. Ah là, il y a un arrêt de bus là. Je me disais bien qu'il y avait. Bon bref. Alors. Yakumo, machin chose, où es-tu? En plus, j'ai envoyé un mail pour demander, vous êtes bien ouvert cette date-là? Ouais. Bon, ben voilà. C'est Taro Bijutsukan. Ça tombe, je suis passé devant, c'était ça. Ah non, il est là. Ah ouais. J'ai toujours attiré par les panneaux, et j'ai tout traversé, on s'en fout. Il est là. Alors, Kyuyu,
Ouais, c'est collé, de toute façon, ils vont me dire. Il y a des moments comme ça, c'est pas sans espoir, mais je suis perdu d'un seul coup, et puis hop, ça reprend. Si là, plouf, Koizumi là, et Koizumi là, collé. Collé et serré. Bah, c'est bien, du coup, je fais un plan. Un plan d'ensemble. Peut-être même une belle photo. Une photo large avec l'option que j'ai. Il y avait un musée là-bas, la dame, elle me regardait genre putain, encore un qui cherche après la voiture. Ça se voyait, faisait la gueule la pauvre. Ah, j'irai peut-être après. Taro Bijutsukan. C'est qui Taro? Taro, c'est pas un de ses enfants? Bon, bref. Bon, je vais pas tout montrer, juste quelques angles. Hop. C'est à vous de venir ici pour ça, quoi. Moi, j'ai sorti le... ce à quoi je pensais sur le... de l'Afcadio, de Laval en amont. Voilà. Une conque. Bon, après, ça me fait un souvenir pour moi aussi. Ah, il y a le panneau. Bon, voilà, je sors de... J'ai passé plus de temps à discuter avec la dame à l'entrée qu'à voir. Parce... Bon, c'est un peu petit, il y a le jardin, tout ça, mais... C'est la maison. Et là, c'est même. Alors, par contre, je me demandais, on peut pas prendre de photos, enfin, pas de vidéos. Sûrement des photos, une ou deux. Photos à côté, la maison, ouais. C'est peut-être pour calmer les gens qui sont à fond dedans. Alors, franchement, cette photo-là que j'avais vue depuis internet. Je me dis, ouais, c'est un quartier calme. Alors, après le château, il faudra que je reprenne les trucs, cliff, plaf, plouf. Ah, si je fais le tour, de l'autre côté, revenant entre chemin, ça devrait aller. Bon allez, 560 yens donc pour faire les deux. Donc voilà, pas de photo. Je crois que je suis reparti à la vaisseau même. Dieu, ah, vont pas avec vos chaussures. Mais non, mais t'inquiète. Puis tant que j'avais pas enlevé les chaussures, j'avais beau lui dire en japonais, mais t'inquiète, je connais le truc, je vais descendre, c'est bon. Bon bref. Voilà, allez. Bon, ça va, je suis dans les temps. La dame qui m'a accueilli à la Kyokyo, la maison familiale, elle avait changé de poste, elle était là, elle a trop tapé la discute. J'ai ressorti encore plein de feintes, elle était morte de rire, encore pire que la première fois. Donc, Okubo, il faut que je regarde sur le net, il avait une autre maison à Okubo et j'avais vu qu'il y en avait une aussi à Fukuoka ou. Ou je sais plus, un nom qui ressemble, mais en dessous de Kobe. Bref. J'ai claqué, j'ai les yeux complètement défoncés. Là, il est moins 10. Je me suis dit, entre 3h et 4h, je visite le château. À 4h, il faut que je taille. Même si c'est 5h45, il faut que je... Mais ça va, j'ai regardé. Dans le musée, c'est interdit de visiter. Donc, 560 yens pour visiter les deux. Il y avait une partie sur un de ses fils qui est devenu un célèbre peintre. Matsue Joe Castle. Ouais, bah c'est 800 mètres, c'est en bas. Voilà. Inari Shrine. Temple, muséum. Ouais. Putain, elle ressemblait à Agathe, je lui ai dit, mais je sais plus son nom à Agathe. Bah, je dis, vous ressemblez aussi au patron de Mandarake. Explosé de rire. Ah là là.
Ah ouais, ça c'est bien, c'est le rétro. Le rétro est mort aujourd'hui, ça coûte. Merde, on a vu dans le rétro. Ça gueule dans le rétro. Ah putain. C'est loin, faudra faire un agrandissement. Puis c'était pas moi. C'est un fantôme qu'on a. Oh, des petits canards. Tiens, va dire canard. Tiens, va dire canard, monsieur. Il a dit canard là-bas. Ouais, j'ai l'impression d'être avec Daffy. Là. Alors, sorti de là, j'avais envie de chanter du rhum, des femmes et de la. Et Citroën. Et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon. T'es sérieux, Caro, j'ai l'impression de voir ta tête sur une des photos. Caro, dis-toi. J'y ai lu. Ouais, du rhum, parce que de rhum, c'est une ville en Angleterre où. Putain, j'ai. Moi, j'ai encore juré. C'est quoi, un castor? Oh la vache! C'est pas un capi. Non, le capybara, c'est beaucoup plus gros. C'est un castor. Qu'est-ce qu'il faut des castors dans le. Ah ouais? Castor ou une loutre? Ouais, peut-être plus une loutre. C'est plus fin. Ouais. Non, alors remarque, une loutre, ça nage dans l'eau. Ouais, c'est peut-être quand même un castor, mais un castor japonais, il a les yeux bridés. Celui-là de castor. Oh, le père castor! Ouais, la surprise du siècle, le père castor. Miaou! Ah non, merde, je suis trompé d'animal. Qu'est-ce qu'il fait à nager et tout? Ah, c'est sympa là-bas. Ouais, moi je dis, donc c'est là où j'ai vu l'entrée, ça doit être là. C'est l'entrée et la sortie. Alors. Orikawa Sightseeing. Ouais, peut-être un autre jour. C'est vachement sympa ici, il y a plein de trucs, des fleuves. Si je reviens plusieurs jours, faudra prévoir, parce que là, il y a de quoi voyager. Alors, l'Afcadio, donc c'est. Librairie. Ah bah tiens, voilà, plouf, plaf, plouf. Ah bah non, on peut prendre l'homme alors par là. Ouais, d'accord, sinon ça fait un détour. L'intérêt à bien regarder. À 600 mètres. Là, c'est à l'intérieur du. Ah ouais, bah, du coup, c'est peut-être quand même bien la sortie là-bas. Vers Otemae Parking, en fait, faut redescendre vers le sud. Alors, mais il n'y a rien qui dit que. Oh, ça. Les pompiers, j'ai vu une Citroën. Ouais, alors tu montes la pente, puis t'arrives là. Forcément en vidéo, ça le fait pas quoi. Là, quand le cerisier il sera. Là, il me semble que ça doit être un cerisier. On fleur, ça doit être un bel endroit, surtout quand on enlève ce putain de plot. C'est plot, n'est-ce pas? Bon, c'est le musée là-bas, mais machin. Ah, tiens, bah encore un Lafcadio. 7, ah bah il doit avoir un parcours où on. Il aimait bien le temple. Bon. Donc il avait une maison à Nishi Okubo. Il y a la tombe à Zagja, je sais plus quoi. Ah, j'ai retenu 2-3 trucs. Oh, c'est sympa, ouais. Prendre 2 minutes dans la. Et je suis sûr que je vais me faire chier à la gare, mais je peux pas faire autrement. Je vais me faire chier, c'est encore une expression, ça. Ah, ça sent là. Ah non. Il y a un parfum de verdure que je connais que trop bien. Non, pas de la drogue, non. Le. Oh non. Ah ouais, c'est le fameux temple. Ouais, jusqu'à la porte au moins, parce que j'ai pas envie de me claquer
les jambes jusqu'à l'escalier. Waouh. T'imagines, après l'école, je vais au temple. Ouais, ok. On se retrouve là-bas. Putain. Ça doit pas être la même personne que... Là, on est un peu en hauteur. Pensez un peu au Mont des Flandres. Un peu plus de hauteur. J'arrête pas de monter depuis tout à l'heure. Je fais Hartzoperk. Ouais, le Mont Noir. Je sais plus pourquoi j'y ai pensé l'autre jour. Ah ouais, Miyajima. Ouais, voilà, c'est ça. Le dimanche, enfin le samedi aussi, se retrouve toute la Flandre française et la Flandre belge au Mont Noir. C'est une rue partagée entre les deux pays qu'on entre par chez nous. Il y a la France, l'ancien poste de douane qui n'existe plus. Après ce poste de douane, il y a la Belgique aussi sur la droite ainsi que sur la gauche. Ils mangent des Yakandiman depuis peu. Ils mangent de bons Léonidas tout frais qui sont faits tous les jours. C'est terrible. Il y a une queue monstrueuse tout le temps. Et ben voilà, Miyajima, ça fait penser à ça. Dans le même esprit, mais à la japonaise. En direction le château, il doit être là, alors à droite, à gauche. D'un seul coup, nous marchons, apparaît devant nous la tour du château. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Et en plus, le mur, et comme j'adore, j'ai un set des cités d'or comme ça, avec un mur. Je tripe. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que c'était la vraie Agathe qui se foutait la gueule. Bref. Ah, et... Bon... Ben voilà, le Kunkaku, c'est ça. C'est d'influence New Orleans ou Louisiane. Putain, le truc de fou. Mais je crois que j'en ai déjà vu... Voilà, là, j'ai dû entendre parler une fois, il y a des plombes et la personne avait courté la conversation. OMG. Sors de cette maison, Yukiona. Je t'ai reconnu. Bah désolé, mais je préfère le château quand même, mais bon. Hop, essaye de prendre. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font comme moi, qui prennent en photo ou en vidéo le truc, qui rentrent pas. Bon, c'est pas pour 10 yens quoi. Ça tombe, c'est gratos. Moi, il est gratos. Kame Dayama Tirum, qui s'atteigne.
Kisaten ou Kisaten Shitsu. C'est un ensemble qui... Je sais plus. J'ai tout oublié. La 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 la. Ouais, donc il y a un salon de thé. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. N'oublie pas de mettre la musique en fond. Ouais, je vais filmer que ça. Peut-être montage un peu. Ah bah ouais, c'est gratos, bah allons-y. On se croirait dans Django. Vas-y, mets le feu à la charrette. Ça doit être une salle de réception ici. Étonné que le truc qui survive au tremblement de terre. Marque en haut d'une butte. No touch the hand drive, ok. Bon bah là, là... Elle doit être par là, quoi, la gare. Non, par là, je suis con. Ouais, c'est pas le moment de me perdre au retour. Non, mais j'ai le point de repère avec le parking. Là. C'est là-bas. Passer le pont, puis après à gauche, là-bas. Bon. Je suis encore capable de prendre le bus pour rentrer. Bientôt la panne de batterie, mais il m'en reste une deuxième. Pour un plan, là, de... Bon, c'est en travaux, hein, comme ça arrive. Forcément, la ville de... J'entends les westerns. La Fladio Horn, il y a un truc de maison américaine. Bon, c'est sympa, c'est assez beaucoup méga sombre et il y fait très froid malgré le fait que ce soit en haut. Bon, il ferme les panneaux là, mais ouais, l'ombre et la lumière. Là, il y a la liste un peu de tous les châteaux. Bon, les portraits, je ne vais pas tous les faire. Tout du long. J'en ai déjà une paire à mon actif. Je sais dire lequel est. Imejijo, franchement. Celui-là, c'est... Mais les autres valent leur pesant d'or, hein, que ce petit ou grand. J'aimerais bien un Kumamoto au prochain voyage. Trompe-l'œil à fond de cale, ça fait un quart d'heure. Ah, Shinji. Le lac Shinji. Là, il y a de la lumière, c'est mérité, je crois que c'est fait exprès. À Kishita. Ah. L'ombre s'est envolée. On pourrait dire ça, je suis sûr. Voilà. Ça se mérite de monter, quoi. Ouais, j'ai pas un peu de jeu. Bon, ouais, faut payer, alors. Faut payer pour monter, alors. Ouais, non, mais c'est un scandale. Au Japon, on devrait... Ouais, c'est bon, hop. Montagne là-bas. Eh, hey, mais c'est le mont Fuji là-bas. On est où déjà ici? Ah ouais, mais de ce côté-là en plus. Je me suis passé de l'autre côté de... Ah, puis de la neige. Ah la vache. La grosse surprise.
verra mieux là, mais... Il est juste... Juste là. Ah, mais là, là on voit rien. Il y a le nuage devant vous. On a grandissant. Là, avec mes yeux sur l'écran, je vois que dalle, mais peut-être sur le truc qu'on devrait voir. Faire une petite photo ou deux, là. Ah non, non, mais c'est... Voilà, les toits japonais. Les anciens toits avec les nouveaux buildings. Nouveaux... Je crois que c'est un truc fou. J'en ai entendu parler comme quoi on pouvait pas prendre de photos. Il n'y a pas d'appareil assez puissant pour pouvoir le prendre en photo. Vraiment par beau temps. Depuis le haut du château, c'est une vieille histoire. Mais c'est pas grave, le garde en mémoire, justement, c'est les seuls buts. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rien à ma place. Ah, oh, c'est terrible, pur bonheur. Matsue. Voilà, tu m'as tué là. Bon. Bon, on va redescendre un petit peu, je sais pas quelle heure il est. Voilà, 38, ça va, je serai à 16h en bas. Largement le temps de revenir. Je commence à me mettre à articuler, c'est bon signe, ça veut dire que je suis moins fatigué. Un héron là. Hop, il se pose en haut de la branche carrément. J'ai encore jamais vu un héron faire ça. Une fois avec François, il y a un héron qui passait en l'air. Je fais attends, tu vas voir. Ah il va répondre. Il a répondu. Ah je fais vas-y, fais-le. Il a fait. Ah il a répondu aussi. Et je fais, il passe souvent ce héron au-dessus de chez moi. Là, c'est carrément un nid, mais c'est un héron spécifique ou quoi. Au début, je croyais que c'était un G. Attaquer Tosan, les hérons, c'est ta passion. Bon allez, c'est parti. Tout doucement, mais sûrement. Toujours le Fujisan, là, ça me... Ah, peut-être qu'on voit un peu, là, en... avec un effet de contraste. Ou... Si je fais le contraste avec le bois, d'un seul coup, la lumière, plus ou moins... atteinte pendant un moment, le temps que l'appareil se fasse, ça fait un contraste et j'ai cru voir l'espace d'une microseconde le Mont Fuji sur mon petit écran. Alors au-dessus, il y a un plan. Il n'y a rien de marqué concernant Mont Fuji, ça devrait être inscrit, marqué. Par contre, j'ai l'impression de le voir mieux depuis l'intérieur, sur cet effet de lumière et d'ombre, de contraste. Terrible. L'ancien. Bon, ben voilà. Moi, bon, ça a été plus rapide que je pensais, 10 minutes de moins. C'est un petit temps, plus taille à discuter avec une dame en bas. Et ben non, mais en fait, c'est pas le Mont Fuji qui est gros béné. Et puis, c'est vrai que ça me rappelle quelque chose maintenant. C'est le Mont Miden ou un truc comme ça. Il lui ressemble, il paraît. Bon. Il y a un monsieur, il avait fait tomber son plastique et je lui ai dit, c'est la photo Camille. Caro, tu serais morte de rire. C'est Camille Nosei. Camille Noseida. Bon. J'espère que tu vas bien, en tout cas, comme les autres. Allez, je rentre. Je vais me chercher vite fait mes bagages à la gare. Manger un truc, acheter un truc. Et j'ai pas envie de... C'est pas que j'ai pas envie de rester ici, au contraire, j'ai envie qu'on me garde, mais la prochaine fois, je mettrai 3-4 jours de plus ou une semaine. Ou... J'ai envie d'aller à Kumamoto aussi, alors faudrait réfléchir au voyage de façon... Bon, le rail pass, c'est quand même bien pratique. Hein. Mais là, je peux pas, c'est 4e jour sur 5, je peux pas l'utiliser. C'est du GR, mais c'est pas sur la ligne. Donc j'ai utilisé quoi, les 5000. Bon, demain, je réutiliserai, peut-être ça va me coûter, entre Kyoto et Nagoya... 5000 aussi, je ne sais pas, et c'était dans les environs de 10 000 entre Nagoya et là, j'aurais pu le pass et Tokyo une fois en Shinkansen. Alors, après en train, si je prends mon temps, mais moi j'aime bien le Shinkansen. Ah, oui, la maison américaine là d'ici. Bon, je filme pas tout. Allez hop, direction la gare, tortue ninja, tortue vers l'avenir et au-delà. Oui, c'est rugball en Cobra. Non, restons sérieux. Bon, allez, c'est pas loin. Moi et mes poubelles, on va se balader
Là, on devrait faire une 15h50, ils savent. Ah, Taketo-san, regarde des petits oiseaux. Moi, ouais, mes poubelles, on retourne à la gare. On va faire une série sur les étrangers. La série, les étrangers promènent leurs poubelles au Japon. Moi, bon, les change tout ça. Je rentre tranquillement. Je vais pas mettre une heure pour. Voilà la famille, j'espère que ça vous a plu. Bon, s'il y a d'autres personnes qui regardent, tant mieux. C'est ce que je fais au Japon. Yuji a prévu de me faire visiter un autre château. J'arrive jamais à le dire, Yadawara ou Kado. Bref. Sud-ouest de Tokyo, genre une heure en train. 40 minutes, 50. Yawara ou bien. Yawara ou Yadawara. J'ai l'impression qu'il me manque un truc là. Mon sac à dos, je l'ai pas. On se sent plus léger d'un coup. Ah non, ouais. Non, c'était plus possible là de. Alors l'hôtel à Okayama m'a demandé une confirmation, bah ouais. Des trucs qu'il y a sur le lien là, ouais. Mais on peut pas cliquer sur le site. Alors on brouille encore dans ma tête, est-ce qu'il y a une colonne où on doit. Bah j'ai écrit en anglais, ils sont pas cons non plus. Hein. Je dis que je venais à 22h, mais si je décolle à 6h moins le quart du truc, il y a 2h, 2h30. Ouais, 8h30 quoi. Bah de toute façon, c'est marqué sur leur site. Tout sauf arriver à 4h pour priorité aux japonais quand ils arrivent à 4h. Bon, d'accord. Mais oui, c'est pas grave, si m'en va, je dirais que je téléphone à Marseille. Wow, tu vois, je téléphone à Marseille, ils vont te botter le cul. Non, j'ai gueulé, j'ai dit conneries, mais. Et voici la vachette en concurrence. Eh bien, c'est Simone et ses concurrentes en face. Bon, il y avait un parc là, c'était bien, mais ça se mérite aussi. Il y avait une statue, des cailloux bien. Il y avait une statue, on aurait une, dirait la fête du slip là, quand ils vont tous manger des glaces en forme de trucs dans slip. C'était sympa, les roches. Je sais pas, moi je tripe dans les grosses roches là. C'est l'esprit zen, je l'ai et tout. Piou, piou. Eh oui, Interville. Interville existe aussi. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la voix, Simone. Ah ouais. Allez, elle est belle, elle est belle. Ah, on va lui passer de la musique à faire. Ouais, un peu de saké, ça fera du bien. Ah, je vous le dis, rien de mieux que. Par contre, on peut tourner à gauche. Il n'y a rien de mieux que de se perdre, mais pas trop quand même. Ah, les vieilles échoppes comme ça. Non, pas, on me voit dans le reflet, non, c'est pas bien. Bref. À nos cadeaux, ni. Stalin, ni m'a gâté. C'est un trophée. Alors, il fait semblant de rien comprendre, de rien connaître, mais en fait, je suis sûr, il est méga intelligent, lui. Ouais, ça dépend, je fais des erreurs. Comme tout le monde, Tenanto. Si tu mets l'accent, c'est surprenant. Ben, revoilà la petite rue de tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que c'est plus rapide. Ouais, c'est parce que j'ai. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oh la vache. C'est le genre de truc qu'on voit dans les films là avec les pampans, les yakuza, les. Oh, c'est vrai que ça me manque un peu de films de Hong Kong en ce moment, la télé. C'est réservé à un public averti ou quoi les, ou pareil, les films d'horreur des années 80 avec cartonné, ça faisait peur. Tu vas avoir une attaque cardiaque à l'âge de 15 ans tellement t'avais peur. Ah, en haut, c'est sympa ça. Il y a un peu des influences de. Bah, de Koizumi, sûrement qu'on retrouve partout. J'aurais bien aimé voir la tête de la femme de chambre. J'ai jamais vu. Dans 3 jours, je l'ai pas vu. À Hiroshima. Mais alors, il y a un truc qui m'a. Ah, bah encore un truc de l'Afka. Là, il y a le truc là. Ils ont fermé le rideau. C'est décoré à l'Afka. Oh putain, je commence à avoir mal au dos quand même. J'ai pris un cacheton en plus. Bah
Ouais, je sais pas lequel c'est de ma... Ouais, il y a des influences partout, quoi. Ouais, j'avais pris là, plif, plaf, plouf. Ah oui, j'avais pris là-bas. Bah si je prends là, je tourne à droite, là-bas, ça devrait aller. Bah voilà, ça me fait un chemin pas comme tout à l'heure. À moitié. Ah. Une grosse Mercedes, une Merco classe C, D, E, je ne sais pas, des trucs qui coûtent cher. Kaodashi. Ouais, faut connaître. À force de le voir, de le lire sur... Moi j'ai bien aimé Yuki Onna. Après je parlais d'autres histoires, mais avec la dame, mais j'aime... Je devais mélanger avec Natsume Soseki. Ouais. Je lui ai expliqué que pour Kaidan, en fait, c'était Kaidan, escalier. Enfin, non, mais c'est Kaidan avec un W. Mais non, Kaidan, ouais, mais c'est un jeu de mots, il y a un sens caché, il y a Kaidan pour l'escalier. Bah tiens, on voulait un escalier. Oh, oh bah, une ours de la fête foraine. On devrait leur envoyer parce que nous, on a plein, ils les donnent. Quoi. Kushiya. Ah vraiment, il y a qu'ici qu'on voit des murs comme ça, et des... Ah, ça sent bon, la vache. Ça me donne faim. Je vais encore devoir me taper un sandwich pour attendre ce soir le... J'espère qu'ils vont pas me faire faux bon. Il y a 10 000 chambres dans leur hôtel. Attends moins que la journée soit passée pour me rembourser si je suis pas venu. En plus, j'ai dit que je confirmais. Soma. Ah. Ouais, d'accord. Club. Ouais. Oh. Ah, Shusha Joe, ça je le connais par cœur. Par contre, ça c'est. Sanyo. Ouais, bah, utilisation pour se park... pour, garer. Jidosha. Eh ben, il n'y a même pas Shusha Joe. Non, c'est quelque chose de sa new utilisation de parking, quoi. Et avec le candy de dans Shusha Joe. Elle devrait aller retravailler un peu. Ah voilà, Agathe. Agatha. Petite pieuvre. Hana Tsubaki. Ah, on l'avait vu avec la prof, ça. Oh, putain. Canalia. D'accord. Canalia. Oh, okay. Des fois j'ai envie de faire le chien avec la poubelle, mais je crois que je vais me la taper jusqu'à l'hôtel. Bon allez, je ferme ça. Je vais essayer de dépêcher de traverser. Puis après à quoi 10 minutes. Je savais, j'avais regardé le plan et tout. J'avais déjà le plan dans ma tête. Je vais manquer de temps peut-être. Enfin, ça va être chaud. Allez, je regarde bien celui-là. J'ai tout préparé, mais en fait, c'est pour pas avoir tout non plus à fond de cale par cœur. Sauf ici. Rendez-vous à la gare. Alors voilà ton Shusha Joe. Bah non, en fait, c'était pas le bon kanji le premier. Ah, c'est typique. Hein. Bon, allez. Ouais, je dis souvent, mais bon. On n'a pas des trucs comme ça chez nous. Franchement. Pas, je dois faire payer. Puis distributeur Saint-Valentin. Là. Ouais, alors du coup, bah, en passant,
En tout cas, la fraise milk. Ouais, on va voir ce que ça donne. Voilà le Toyo Coin de Matsue, c'est là où j'avais regardé une fois. Ça aurait été sympa. Et là, les shijimi avec la prof. On avait vu des shijimi au cours. Donc. Mais là, c'est shijimi boil. Des shijimi en boule. Moi, c'est pour le cours s'ils regardent mes vidéos complètement folkloriques. Donc, comme j'ai vu le Toyoko In, j'ai dû marcher une demi-rue de moins. Donc la prochaine à droite pour rattraper la gare, parce que le railway il est là. À moins qu'elle soit là, je ne sais plus. Mais je suis passé devant. Ah non, mais je suis passé devant tout à l'heure, j'ai même pas vu où j'étais de l'autre côté. J'ai déjà pu si j'ai remarqué. Ah. Ça va leur faire plaisir. Ah oui, même s'ils étaient décorés comme les leurs. Ah, le truc à la fraise là, il m'a retourné. Si la nana elle était comme le truc à la fraise, j'ai loupé un truc. Mais bon, voilà, consommer c'est bien. Bah si, elle est là la gare. Alors c'est bon. Consommer c'est bien, mais respecter soi-même et les gens c'est mieux. Mais bon, comme j'ai déjà dit parfois, c'est protéger la planète, la Terre. XOR et puis. Non, mais je me prends pour XOR maintenant. Les vilains Cerex sont de retour. Il va falloir s'en occuper. Bon, allons-y. C'est peut-être bien de s'arrêter de s'acheter, hein, des trucs. J'ai vu un truc juste là, à 10 mètres, des chaises pour attendre le, avec une télé et tout. Alors, mon ticket, je sortirai genre 20 minutes ou 25 minutes avant, mais bon, je sais pas si je peux m'asseoir. J'ai hésité de se balader avec des bagages de tous bords, là. Oh, heureusement qu'il y avait ça. À ce propos, c'est pas Agathe, je me suis trompé, Agathe c'est la Chrysler, je suis con. C'est Anne-Charlotte, elle ressemble trop à Anne-Charlotte. Je trouve plus son nom. Et il fait, mais c'est Agathe, et je trouve plus son nom. Et alors elle devait se dire, mais non, merde, c'est pas Agathe, c'est Anne-Charlotte. Bon, du coup, des poubelles. Ça y est, je me souviens. Il y a des poubelles sur les quais. Ils sont passés, mais moi, gazier. Je vais pouvoir enfin vider ma poubelle de la journée. J'ai oublié ça qu'il y avait sur les quais, mais pas tout le temps. Chercher, je me dis, dans la ville, je vais pouvoir trouver. Dans la ville, terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Bon, Matsue, j'ai éternué, j'ai mangé un sandwich, là. Pour caler un peu la faim avant ce soir, si je trouvais un truc à sushi ou quoi, Okayama. Là, oh, je tripe, je suis à Matsue, tout à l'heure, je serai à Okayama. Des villes que je connais pas du tout, que j'avais jamais fait. Avant à Matsue, franchement, c'est un petit coin sympa. Bon, ouais, ça doit être large parce qu'il y a le lac Shinji là-bas, il est énorme en arrivant et tout. J'ai une dame, ouais, en venant dans le bus et tout. Elle me dit ça prend 3 heures. Je vois, ah non, un peu plus, mais le conducteur il a l'untenshu. Elle m'a regardé, oh, il connaît ce mot là. Bah oui, à force de lire des histoires ou Takushidai aussi, ça, c'est sympa comme truc à savoir. Le prix à payer pour le taxi. Je ne sais plus comment on dit en français. Et ouais, il y avait de la neige et tout. J'ai mis moins de temps, le conducteur. J'ai peut-être gagné 20 minutes sur l'horaire parce qu'il s'arrêtait. Il n'y avait personne à prendre. Alors, bah, il repartait en 2-3 mouvements. C'est mieux que la CTA Béthune. Elle a une belle voix, la fille. Faut penser à Marika. Elle a le même visage. Putain, mais c'est à Ikebukuro. Il y a des Marika partout. Bon, bref.
Manneke. Là-bas aussi, il y a des poubelles. Je crois que... Moi, la poubelle à la maison, c'est un énorme carton avec le sac qui baigne dedans, quoi. De toute façon, les trucs en plastique, ils pètent tout le temps. Bon, allez, je vais vider la poubelle. Le bord de l'eau ici, l'eau elle est une qualité un peu différente, c'est autre chose. Bon, j'ai réussi à monter dans le train direction Toyoko, West Exit. Pour la fois, j'ai arrêté sur plan en fait, je voulais faire tout le tour, j'ai imprimé le plan, puis au final j'ai vu West Exit. Il y a toujours 10 000 versions des trucs. Si je sors par la sortie ouest, je gagne au moins 2 minutes, je passe pas au-dessus du truc, le pont, tout ça. Voilà, bon. Allez, je vais essayer de me reposer un peu, je suis claqué. Ils sont partout, c'était en Provence. Moi j'ai acheté des gaufres au mannequin, des boules que j'ai jamais mangé machin, et un petit truc au chocolat que... entre nulle part. Oh. Non, j'allais dire c'est une européenne qui tient le truc, mais non. Bon, faut que je trouve mission, trouver un resto, ça je l'emmène pour mon dessert. L'ouvrirai dans la chambre pour montrer. Les bouboules, ça doit être sympa. En brochette. Mais alors là-bas, non, c'est des Weeba, alors faudrait que je ressorte. Je sais pas, je vais à la découverte. Ça. Ah, mec de l'hôtel, il me fait... Vous avez l'air d'être fatigué. Bah oui, mais je vais faire un tour une heure, puis je reviens, parce que je vais manger un truc. J'ai une envie. Ouais, ils attendaient les potes. Je vais là. Okayama, là c'est la gare, je suis sorti par l'autre entrée. De l'autre côté, allez, à Toyokoi, on peut pas le louper. Hein. T'arrives en train, tu le vois. Le truc qui fait 300-400 mètres de long et les lettres, si je puis dire, les signes, ils font un étage ou deux. Bon, bah ils attendaient, alors je peux rentrer. Oh, c'est ça que j'attendais l'autre jour, trouver un truc de viande et toute la viande, toute la viande. Oh. Bon, j'espère qu'ils vont pas me jeter parce que je suis tout seul et que je suis tête d'Américain européen. Tito Tati, let's go! Ah, en fait, bah non, il n'y a que la carte. La machine automatique et la Chumon, elle est automatique en écran à l'entrée. Mais ils auraient pu m'aider un peu. Mais ah, désolé, monsieur, hein, t'as de beaux yeux, mais. Bon, bah du coup, c'est pas grave. Première fois que je voulais un truc avec de la viande. Son visage me dit quelque chose, donc encore une fois. Bon, bah, la recherche d'un autre resto, c'est pas grave. J'ai l'impression que les restos, pour une fois que je m'intéresse à un certain type de resto, que non. Ah, bah, faire un tour dans les Yoshinoya à chaque fois, pas de soucis là. On me dit, tu veux un taco? Non, non. Je vais t'embarquer avec mon sushi. Ah ouais, les nouilles, ça fait longtemps, ça va bien. En plus, j'adore leur lamelle de bœuf. Ah, et Kenshin le vagabond. Louloni. 7. Ah ouais? Carrément. Bon. Série continue, la nana me sert et tout, je mange. C'était bon, j'adore ce curry marron. Et un Nicolas Gombe, like, vient me servir. Mais alors, il avait le même visage. Mais que se passe-t-il?
Et je fais, tu sais, quand j'étais petit, il y avait un monsieur, il te ressemblait dans la classe d'à côté, mais il avait exactement le même visage que toi. Et je lui ai dit, il s'appelait Nicolas, puis après j'ai retrouvé le nom. Ils prennent vraiment pour des légumes, c'est pas possible. Pour pas nous le cacher, ils ont la même tête. Et je lui fais, c'était dans le nord de la France, c'était petit. Putain, c'est pas possible. Bon, avec tout ça, bah, j'avais mangé deux trucs, je voulais un troisième, mais à mon avis, il se dire, sous ma gueule, on fait pas comme les Américains ici, concours de bouffe, mais j'avais vraiment envie de remanger un truc, parce qu'elle me montrait un truc, je fais, ah tiens, je veux le plus cher, hein. Bah non. Bah, 1700 yens, 1750. Il y a plus... C'est marrant, parce que quand je lui ai dit, tiens, j'irais bien manger, là. Là, j'ai rigolé, quand je lui ai dit le nom de... Non, mais je sais pas, autant à manger un ananas pour une banane, quoi. Intermarché qui pue des pieds. Tiens, si jamais Bernard Minet, tu m'entends, j'étais content de te voir à la Japan, à Marseille, il y a quelques années. Bah écoute ça, moi j'ai le deuxième couplet. Intermarché qui pue des pieds de chez Monsieur le Curé. Non, j'ai pas vu. Monsieur le Curé. Bon, rentrons tout doucement. Recueillons-moi, c'était chaud. Recueillons-moi, c'était chaud. Oula. Ah, là, j'ai croisé deux nanas, là, c'était pompette. Elle marchait pas droit. Et... Tiens, un étranger. Hein, bah, reste pas là. Les... Ça va finir en sushi. Ah ouais, il faut que j'aille sur Internet. Genre, la télé, elle s'allume. Je sais pas comment l'éteindre. Par, avec la télécommande, à part avec le bouton sur le côté. Et je vois tout technologique et tout, bling bling bling, ben, ça fait des papoum. Le truc, je vois Internet Wi-Fi. Waouh! SSD, enfin, l'idée plus le code. J'ai pris une photo tout de suite avec mon téléphone. D'ici que le truc, il s'éclaire plus, il s'efface avec mon bol d'habitude. C'est ça que j'aime bien le Japon, c'est. Tout est organisé, si un truc qui... Non, il n'y a jamais de truc qui va pas dans les transports ou quoi, de... Dans le... Une vraie machine, c'est bah, la hauteur de... La discipline... Bah, tout fonctionne, quoi. Bon, l'administration, honnêtement, j'ai pas essayé, mais ça doit être pareil, avec tous les papiers que j'ai vu passer une fois. Ouais, j'étais perdu aussi, là. Mais Yoshinori, c'est trop bon, avec les lamelles de bœuf, là. Elle m'a regardé, elle essaie de m'expliquer 2-3 trucs, je suis fatigué. Bah, comme d'hab, je suis fatigué. Bah, c'est la bonne excuse, en fait, genre, je suis nul, mais je dis que je suis fatigué, comme ça. Tu sais, moi, étranger, toi, aidez-moi, madame. Puis il y avait un gang de Chinois en face, sur la table d'en face. Bon, ouais, je sais pas ce qu'ils ont. C'était un peu sale par terre, mais c'est pas grave, j'adore cette chaîne. Bon, faudrait quand même que je travaille un peu plus l'oral, alors faut que je trouve des livres de Chokai. J'irai à la librairie à Shibuya, là je suis sûr. Avec Rodolfo, une fois on est allé. C'est cher, mais il y a tout. Là. Sinon, j'essaie de taper quand même à Jimbo Cho. Jimbo Cho. Cho. Jimbo Cho. Bon, je vais ranger, puis on se retrouve à la chambre si j'arrive à me relever, parce que je vais m'allonger en arrivant et ça va être dur de me relever pour aller. Ouvrir le passicon, passe au con. J'ai mis un moment avant de comprendre, mais en plus il y a un accent. Non mais ça va pas là. Bon.